Bonjour à tous, Zertiros pour les centièmes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour tester la démo, enfin essayer, hein, ça c'est pas du tout un test, mais de The Wandering Village, qui est un jeu que j'ai kickstarté. Je crois que j'avais fait une présentation du Kickstarter à l'époque sur mon ancienne chaîne. Le jeu normalement est prévu pour le printemps ou l'été 2022. C'est développé et édité par Strayphone Studio et ça a l'air très très sympa. Du coup voilà, on va se tester la démo, on va la faire, enfin je sais pas si on va la faire en entier, mais on va se faire un petit épisode. J'attends surtout le jeu quand il sera prêt, quand il sortira vraiment pour y jouer, parce que là vous voyez on est dans la version 0.1.10, donc vraiment au tout début. Et ce jeu c'est quoi? En gros vous êtes sur cette grosse créature qu'on voit en logo, hein, sur ce gros bestiau, et il va falloir eh bien construire une colonie, s'installer et puis survivre, parce qu'on s'est inspiré de notamment de princesse, non on s'est inspiré de Nausicaa et la vallée du vent, et du coup il va y avoir des fois des spores, vous voyez, des champignons toxiques qui vont arriver, il va falloir un peu les nettoyer. Et en fait c'est ça, c'est notre habitat, c'est ce monstre qui bouge dans une sorte de monde apocalyptique et qui nous sert un peu de refuge, et du coup il va falloir aussi y prendre soin. Voilà, j'ai expliqué ça au pif, c'était pas terrible, mais c'est pas grave, on y va. Vous allez voir, j'attends le jeu énormément. Voilà une colonie, on cherche un abri. On a rencontré une créature. Créature sympathique. Qui en gros nous a accueillis. Et ça c'est bien, ça c'est sympathique. Et c'est un jeu, voilà, simulation de, on va dire, de ferme, construction de ville, gestion, vous connaissez les bails, vous connaissez les classicos. Il va falloir construire des habitations pour nos habitants, il va falloir construire des fermes, herboristes, de quoi fabriquer du stuff, etc., etc. Assez classique et ça a l'air très 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 bien, très original, très beau. Mais avec, sur des fondements, c'est classique. Voilà, donc Village Elder, l'ancien du village, blablabla. En gros, il va me servir de tuto. Je vais dire oui, on va se bouffer, on va se grailler le tuto ensemble. Donc vous voyez, on est sur cette créature qu'il adore. On peut dézoomer, on a le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Une mine, oasis, dune. D'accord, il y a nos ressources en haut à gauche. Ici, il y a la recherche, le biome. Ah, c'est marrant, le biome désert, en sachant que... dans ma partie d'avant, j'étais dans le biome jungle, donc ça a changé. Ok, la bouffe qui descend, parce que tous les 24 heures là, on consomme 15 de bouffe. Donc il va falloir construire. Vous voyez, il y a un niveau de zoom très agréable, et dans les graphismes, ça fait vraiment penser à Ghibli, à Miyazaki. C'est très très sympa. Alors ça, c'est le bouquin du vieux. C'est le bouquin pour avoir un petit peu les classiques. Très bien, les classiques. Alors, move the camera, move the machin, pause de game, vous connaissez, vous pouvez accélérer, etc. On peut changer de view comme ça, on peut changer de view comme ça, et on peut revenir. Voilà, on est bien. Là, il me dit en bas, ça c'est pour harvester, donc récupérer les pierres, le bois et tout le bordel. Ça, ok, de la priorité. Ça, c'est pour construire, c'est votre menu de construction. J'espère qu'il sera pour le jeu final un peu mieux. Un peu plus, comment dire, intuitif, parce que là je le trouve pas très intuitif, mais sinon c'est pas très grave. Et ça c'est l'arbre de recherche, mais pour l'instant je pense que c'est pas utile, on va essayer de se suivre le tuto. On va se faire des tentes, des habitations, on aime les habitations, hop, voilà. Pareil, c'est dommage que à chaque fois ah voilà, il faut maintenir shift, c'est bien ça, il faut maintenir shift pour pouvoir garder la construction active. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, voilà, on est bien. Il va clairement me manquer des ressources, là il y a écrit que c'est out of ressources, qu'il n'y a pas assez de ressources, donc il va falloir que j'harveste tout ça, donc je vais récupérer du bois, et en prévision aussi de la pierre, parce que je sais que la quête d'après il me faudra de la pierre. Mais vous voyez, petite ambiance très sympa, très jolie, très sympa, avec une belle profondeur de champ, hein. On voit un peu tout le biome dans lequel on est, hein, si on regarde bien. Et ça, c'est très très cool. Et puis notre créature va se balader. Elle a de la vie, hein. Voilà. Il va falloir surveiller le poison. Il va falloir qu'elle bouffe, hein. Et il va falloir aussi qu'elle dorme. Là, elle est en train de se reposer. Et on a la santé de la créature qui s'appelle Unbu. Unbu. Très sympa. J'aime beaucoup le principe. Regardez, en plus, le niveau de zoom est vraiment cool. Eux, ils ont rien à foutre. Ils sont oisifs. Ok.
On va aller récupérer des petits arbres. Voilà, des petits arbres, des petits arbres. Et vous allez avoir, voilà, des petits événements aléatoires. Et il va falloir, eh bien, participer à ces événements, hein, pour prendre soin de notre créature, retirer le poison. Tout ça, tout ça. Bref, vous connaissez les classicos, vous connaissez les bails. Vous connaissez. Il commence à faire nuit. C'est sympa, ces petits mobs là. Housing Quality, on voit leur nom, on voit tout ça. Ok, donc là il me dit il faut que je stocke au moins 60 baies. Je peux construire un pantry pour store food. Eh ben, écoute, on va faire un pantry et on va récupérer les baies. Les baies, elles sont là. Vous, par exemple, vous cliquez sur chaque buisson et vous vous occupez de récolter un peu tout ce bordel. Voilà, hop, hop, hop. Chaque pantry, je sais pas quelle est la traduction, hein. Chaque grenier, un truc comme ça, chaque ouais, c'est une sorte de grenier, je sais plus comment on appelle ça. Et ben en gros, il peut contenir 30, 30 de chaque catégorie de bouffe. Hop, on a perdu, on perd de la bouffe parce que nos villageois bouffent, hein. Logique, logique dans ces jeux-là, il faut surveiller très attentivement sa bouffe. Faut faire bien attention. Ah, c'est beau, dis donc. Regardez, regardez les vues qu'on a, les vues. Les vues de côté, la transversale du mob, c'est très sympa. Très très cool, ok. C'est une putain de bonne idée quand même, hein. C'est vraiment une bonne idée. Je vais boire un peu de tisane en attendant qu'ils construisent ça. Voilà, ils construisent à deux, comme ça va plus vite, hein. Alors, là, il me dit que je dois avoir au moins une ferme. Vous voyez, on peut stocker de la farine. De la soupe de betterave, du blé, de la betterave, du pain, des muesli de baies et du pudding noir et aussi des baies. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut que je fasse une farm, une ferme. Donc je vais faire une ferme. Il faut que ça, évidemment que je la place sur des endroits fertiles. Ensuite il faudra que je m'occupe d'assigner des gens à cette ferme. On va récupérer un peu le bois ici et le bois là. Voilà, c'est pas mal, regardez quand ça doit se faire, il y a un petit ballon en mode, il y a ça à s'occuper, c'est sympa. J'aime bien imaginer que quelqu'un entoure un ballon autour de l'arbre ou du buisson à baies en mode, hé les mecs, oubliez pas de faire ça. Je trouve ça très sympa. Et nos gens sont pour l'instant contents, voilà, contents, productifs, tout va bien. Tout va bien. Il te faut quoi d'autre? Ah, il te faut des stones. Stone, le monde est stone. Eh bien écoutez, on va récupérer des pierres. Voilà, on est bien. On est bien, on est bien. Petite démo, je trouve très sympathique. Avec la petite. Là, vous voyez, il y a une petite musique un peu musique du désert. Touareg-like, on apprécie. Ah, je dois aussi avoir un herbaliste. Très bien. Sauf que ça prend. Voilà, ici. Ok. Bon, il me dit clairement, tu vas pas avoir assez de ressources. Mais t'inquiète pas! T'inquiète pas, on va te trouver tout ça. Par contre, la créature, elle n'est pas si grande que ça. On va rapidement arriver à bout, hein, à terme. J'espère que ça va repopper, respawner. On est en train de construire ça, de déblayer un peu tout le bordel et construire l'herboriste. Ouais, c'est ce qu'il me dit là. Conseil, sois sûr de placer les champs, les graines, ouais, de placer les plantations sur un sol fertile. Ah, la créature qui se met en branle. La créature qui se branle. Ok, regardez, elle se lève. Regardez, oh c'est stylé! Terriblement stylé ça. La créature qui se lève. Ça c'est quoi? Ok. Moi je vais pouvoir faire un klaxon. Et là la créature démarre et je ne sais pas où elle va. Elle suit manifestement ce chemin. Très très cool. Et eh ben écoutez, très très bien. J'apprécie beaucoup. Alors, ça en est où la ferme? Ok. Faut que j'ajoute des workers. Voilà. Assign plots. Ah, faut que j'assigne des plots. Alors, plots. J'ajoute. Qu'est-ce que j'ajoute? Là, il me demande de l'eau. Voilà, j'assigne des plots. Hop, on est bien. Et là, on est bien. Voilà, comme ça. Et même. Même j'oserais comme ça, voilà, un assez grand champ. Et sois sûr d'avoir au moins un herboriste, c'est en train de se faire, ok. Et il faut par contre des bites, des betteraves.
Oh, par contre, comme il fait chaud, c'est dur d'avoir le bon. Ouais, ok. Très bien, on est bien, on est bien. Avoir au moins un truc d'air, un puits d'air et un water tank. Un puits d'air. Automatic extrait water from the air. Ah, bien, 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 bien. Ok. Et un water tank, je suppose, pour stocker l'eau. Voilà, on va se foutre ça ici. Parfait. Très cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Comment va ma créature? Elle avance? Ouais, elle avance lentement, mais elle avance, hein. C'est très joli. Ah, ça va, elle avance bien, hein. Elle avance bien, elle avance bien, elle avance bien. On est pas mal là, on est bien, on est bien. Ça construit là? Vas-y, un worker sans plus. Herbe, c'est quoi? Ah oui, ça demande de l'eau. Ça demande de l'eau, ça demande de l'eau. Voilà. Ah ouais, mais ils me disent bien que c'est au moins un. Donc il va peut-être falloir que j'en fasse un peu plus que un. Va peut-être falloir que je fasse un air well, genre ici. Et un water tank, genre ici. Voilà. Il va falloir des caouins, des cailloux. Ok. J'aime les cailloux. Savez-vous comment? Quand ils sont bien faits avec du silicium dedans. Ok. Où ça plante? Où ça plante des betteraves? Ok. On aime les betteraves. On aime les betteraves. On plussoie les betteraves. On laisse un pouce bleu aux betteraves. Ça construit là? Airwell. Ouais, machin. Ah, pas d'eau est produite dans le désert. Ah merde. Ah ouais, dis donc, on n'a pas, on n'est pas une bonne, on n'est pas une bonne température là. Ouais, vas-y, j'attends. Ouais, change vite de biome parce que là, dans le désert, je suis pas sûr qu'on survive beaucoup très longtemps. Et je suis pas sûr que nos plantes poussent énormément. Très très bien ça. Ah, c'est cool hein. Je vous laisse un peu admirer parce que c'est un peu contemplatif, je trouve, dans le design, dans la direction artistique. C'est pas mal. Vraiment bien. Et j'ai kickstarté le jeu, donc j'avoue que j'atteigne avec impatience le jeu. Moi, dès que j'ai vu le design, dès que j'ai vu le principe, c'est-à-dire t'es sur le dos d'un monstre, il faut survivre, faut s'occuper de lui, plus s'occuper de ses habitants, plus s'inspirer clairement de Miyazaki, moi j'ai tout de suite payé pour. Hein. Comment va la bouffe? La bouffe va. La bouffe va, mais il va vite falloir que ça pousse quand même. Et ça se construit? Oui, il manque un peu de pierre et ensuite ça sera bon. Je peux accélérer le temps. Hein. Voilà, on va accélérer le temps. Les baies, on peut stocker les baies là. Voilà. Hop, 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 hop. Quelques baies. Quelques baies, comme dirait la. Comme dirait la chèvre. Ok, on est bien. Et là, il me dit d'avoir au moins un bâtiment de recherche. Et sélectionner la recherche pour la kitchen, pour la cuisine. Hop. Ok. Écoute, ça va se faire tranquillement. Tranquillou-bilou, comme on dit, production 3. Ah, sauf que là, il n'y a rien du tout à cause du désert. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. C'est un peu la merde. Il va vite falloir sortir de ce désert. Hein. Et stocker de l'eau. Bon, ça va relativement vite. Et stocker de l'eau, parce que là, sans eau. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la survie de l'être humain, ça dépend beaucoup de l'eau. Donc sans eau, c'est un peu chaud du cul, comme on dit. Après, attention, on peut survivre, hein, mais normalement, c'est 3 jours. Hein. Après, je pense que j'ai un peu d'eau. Ouais, il y a un peu d'eau, là. Il y a combien d'eau? 10. Par pack de 10. 20. 30. Ok, bon, il y a un peu d'eau. Sauf qu'entre boire et ensuite arroser les plantes. Eh bien, c'est pas terrible. On arrive? Oui, ça va. Ça va, ça va. C'est pas si lent que ça. Le monde est pas si grand, je pense. Et en même temps, elle est lente, mais elle doit faire de sacrés pas. Hein. Je pense qu'elle doit faire 15 mètres par. 15 mètres par bidule chouette. Alors, matériel stockage. Ça peut être pas mal de stocker des choses. Allez, construisez ça. Essayez de ranger un peu là-dedans des pierres, du bois. Pour les avoir à portée de fion. Voilà.
Il y aura quoi après aussi? Un coupeur de pierre, un tailleur de pierre, un charpentier, un mycologiste pour les champignons, un récolteur de baies. Ah, d'accord, il coupe pas les buissons, lui. Ah ouais, pas mal ça. Pas mal, pas mal. Ok. Mon devoir, on arrive? On arrive presque. On va bientôt changer d'eau, de changer de bio, mais on va pouvoir du coup avoir de la flotte. Et Dieu sait qu'on aime la flotte. Tiens, Berry Gazer là. Où est-ce qu'il y a des baies, comme on dit? Là, il y a des baies partout, là. Voilà, comme ça. Ici, on va annuler. Voilà. On va laisser les baies intactes pour le récolteur de baies. Voilà, récolteur de baies. Il va faire son boulot. On change de biome, monsieur? Ah, je crois qu'on change de biome sous peu, là. On va voir. Ah, je crois bien, là. Ah, on est dans la jungle. Ok, on est dans la jungle. C'est humide! C'est humide comme dans le fin fond de mon slip, donc tout va bien. Et là, ah, là on génère beaucoup d'eau. Ok. Et là, les plantations. Elles sont comment les plantations? Elles sont normales, donc elles vont pousser normalement. Et bah c'est très bien ça. Faut faire des récoltes. Ok, on est bien. On est très très bien. Vas-y, priorité à ça. Au boulot là! Au boulot! Au boulot! Aller chercher des arbres, là, voilà, des arbres. Ici ça construit, ici ça construit, ici ça construit, ici ça construit. Mais il nous manque clairement des arbres. Voilà, ici tu peux récupérer tout ce bordel. Au boulot, voilà. On est bien là. Build de scavenger hut. Ah d'accord, il faut construire une hutte de scavenger pour être capable d'envoyer une expédition là-bas. Et c'est pareil là. Et c'est pareil, donc ça va être important si je veux looter un peu. Ok, je vois le principe. On stocke de l'eau. Oui, on est en train de faire de l'eau. D'accord. 3 par 3. Ok, 3 par 3, 3 par 3. C'est très bien, va peut-être falloir que je bourre un petit peu, hein. Que j'en fasse plus, tu vois. Voilà, fais-en plus. Il nous manque clairement du bois, là, hein. Clairement. Les mecs qui récupèrent la pierre, c'est bien beau. Moi, j'aimerais plutôt qu'ils récupèrent du bois. Au boulot! C'est trop bien comme principe. J'aime beaucoup le principe. Qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez de récupérer de la pierre là! Stop! 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 Récupérer. Bon, écoutez, récupérez la pierre qui reste. Mais point trop n'en faut là. Concentrez-vous sur le bois surtout. Ah, concentrez-vous sur le bois. Tiens, attends, est-ce que je peux dire... Voilà. Arrêtez de prendre ça. Arrêtez de prendre les baies là. Concentrez-vous vraiment sur le bois. Oh, et sur la... Il va falloir aussi s'occuper de la bouffe. Ah, c'est bon, ça construit. Ça construit, ça construit, c'est bon. Ah, il y a des nomades. Il y a des nomades qui ont rejoint mon village. 21, on a 80. Ah ouais. Kitchen. Allez, on accepte. Ça fait des baies, des betteraves. Ok, très bien. Construisez des tentes. Construisez plus de tentes. Voilà. Ok, tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien. On est bien, on est bien. Écoutez, on est très très bien. Faut juste rester calme. Alors, parfait. Là, ça génère de l'eau, c'est très bien. Ici, ça génère de l'eau aussi, c'est très bien. Water, ok. Stocker des choses. Ici, ça va stocker des choses ou pas? Je sais pas si ça va stocker des choses. J'espère que ça va stocker des choses. Et des tentes. Au boulot, les tentes. Au boulot. Voilà. On est pas mal. Faut que je construise un carpenter. Eh bien, écoutez, je vais faire un carpenter ici. Faut que je construise un stone cutter. Je vais faire un stone cutter ici. Et faut que je construise au moins une cuisine. Je ferai une cuisine, promis, j'aurai craché. Au boulot là! Ouais, c'est bien, c'est bien. Monte voir la créature. Ah, elle avance calmement, elle avance calmement. Elle avance calmement. Crossroad. Build de Horn Tower. Ah! C'est ça, d'accord. Une tour klaxonne pour pouvoir diriger un peu notre mob, tu vois.
D'accord, ok. Et pour construire la cuisine, il va falloir des stone slabs et des planches de bois. Donc tout ça va être fait, ça va être fait dans ces bordels. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Là-dedans, est-ce que ça stocke? Pour l'instant, ça stocke que dalle. Ah si, ça stocke, mais ça s'utilise tout de suite. D'accord. Ça fait du... Ah ouais, le water tank, il est vide, 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 hein. 9, 15, 9, 15, ok. Ici, personne en plus pour récupérer des baies. Là, est-ce que ça pousse? Est-ce que ça pousse? 57, 25, oui, ça pousse, ok. Parce qu'il va me falloir assez rapidement de la bouffe. Assez rapidement. On va voir. Production 16, consommation 8. Ah ouais, non, mais là, je suis en. Et ça, c'est quoi? Recherche détail, d'accord. Vas-y, au boulot là! Du bois, du bois, du bois! Du bois, du bois! Du bois, du bois, du bois! Ok. Là aussi, du bois, voilà! Du bois partout. On veut du bois, on veut du bois, on veut du bois. Ici ça stocke, ok. Faut faire des trucs de stockage un peu partout, je pense, histoire d'équilibrer les ressources sur la map. Il est passé par où l'autre con? Ah, il est toujours pas arrivé, ok. C'est très cool, hein. Je vais peut-être faire un deuxième épisode. On va pas tarder à s'arrêter, mais je vais peut-être faire un deuxième épisode. Très très bien ça. x4, x1, x2, c'est bien. Recherche building. Ok. Vas-y, les tentes. Ça se fait les tentes? Ouais, ça se fait. Ok, vas-y. Récupère ça. Ok, clairement la bouffe. Bon, au moins, on a planté beaucoup de choses. Ça prend beaucoup d'eau, mais au moins, ça fera une assez belle récolte. Tu vois ce que je veux dire? 18 sur 45, c'est bien. 18 sur 45, c'est très bien. 24 sur 45, c'est bien. Bon, maintenant, il nous faudrait plus de personnes, histoire de... Il nous faudrait plus de personnes. Histoire d'être plus efficace. J'aime beaucoup le principe du jeu, en tout cas, hein. Là, cette petite démo, le lien sera en description, c'est gratos. Ça fait plaisir, je crois que du 21 au 28, il y a une semaine avec plein de gratos, plein de démos gratos sur Steam. Et c'est très appréciable, voilà. C'est très très cool. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Et puis peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo. Mais en tout cas, j'attends surtout le jeu quand il sortira vraiment. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.